Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Glossy Box. Elle était encore en retard ce mois-ci, mais bon, on leur pardonne. Franchement, elle est juste magnifique. Bon, sauf le vert que j'aime pas, mais ça fait quand même bien. Elle est rose avec plein de dessins. Elle est juste trop magnifique. J'adore. Ça fait vraiment rose. Enfin, je sais pas, un peu poupée, un peu, je sais pas. Voilà comment elle se... Oula, comment elle est. Beautyland. Alors, bon, déjà, nous avons des petites fraises tagada. Alors, nous avons tout d'abord un petit macaron lip gloss. C'est lip gloss, lip balm de Cute Balms, donc 6,99€ le petit macaron. Je trouve qu'il sent la vanille, je crois, mais je suis pas très très sûre quoi. Après, nous avons un vernis ciaté. J'ai la couleur Oupla. Oupla. Donc les Il coûte 10,41€. C'est un full size. Donc un beau petit rose. Je sais pas comment dire la couleur. Très joli. Nous avons ensuite... J'ai Marie qui est là-bas et je pense quand elle va voir des trucs, elle va faire... Ah ! Nous avons de la marque Avène une mousse nettoyante. Donc les 150ml qui ne sont pas là sont à 13,80€. Nettoie, démaquille, matifie. Peau sensible, normale à mixte. Parfait. Nous avons un petit bronzer Too Faced. On aurait pu avoir un melted chocolat, mais bon, je l'ai en 3 fois déjà, je crois. Une base à fard, mais je l'ai. J'avais pas la poudre. Mais le packaging est juste pourri. C'est un truc en, vous savez, en plastique là. C'est trop bon. Donc voilà comment il est. Donc les 10 grammes. Je sais pas s'ils sont là. Je pense qu'ils doivent être là à peu près, les 10 grammes. Sont à 28,50€. Donc hâte de tester. Et en dernier, nous avons un petit pinceau licorne. Ah non, pas de réaction de Marie. Un pinceau licorne. Oh. Ah si, elle a fait oh. Donc de la marque Inuette. Ça te va comme ça, Marie? Non, comme ça. C'est dans l'autre sens. Ça te va comme ça? Voilà. 7,50€. Il est tout doux, il est rose, il est trop beau. Donc voilà ce que nous avons eu. Franchement, je suis contente de ce que j'ai eu parce que bah là, c'était vraiment une box beauté, donc surtout maquillage. Et c'était le reproche que j'ai à faire de Glossy Box. Il n'y a pas beaucoup de maquillage en fait. Et moi, ce que je recherche dans une box, c'est vraiment du maquillage. Donc celle-ci, je l'adore, cette petite box. Donc voilà, qu'est-ce que nous allons avoir comme marque ? Le mois prochain, nous aurons peut-être du Merci Andy, peut-être du NARS ou du Benefit Cosmetics. Alors si on a de ça, franchement, je suis preneuse, mais bon, on n'aura pas tout, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours, si vous avez eu votre box aussi, si elle vous a plu, s'il y a des choses que vous connaissez. Enfin, j'attends tout en commentaire comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous!